Donc pour calculer un pourcentage, nous allons utiliser plusieurs méthodes. Première méthode, nous allons calculer une proportion, comme nous l'avons vu en début d'année. Donc pour cela, nous allons utiliser dans ce problème le fait que nous sommes dans une classe de 25 élèves et que 19 ont un téléphone portable. Donc ça fait 19 élèves parmi 25 qui ont un téléphone portable. Donc la proportion d'élèves ayant un téléphone portable est de 19/25e. Pour obtenir un pourcentage, nous allons multiplier cette proportion par 100. Donc nous obtenons 19/25e fois 100, ce qui revient à calculer 19 fois 100 sur 25, ce qui nous donne 76. Nous avons donc 76% des élèves de cette classe qui ont un téléphone portable. Deuxième méthode, nous allons utiliser pour un tableau de proportionnalité. Donc nous mettons d'abord en place le tableau avec le nombre d'élèves dans la classe et le nombre d'élèves ayant un téléphone portable. Ici, nous avons 25 élèves dans la classe et 19 élèves qui ont un téléphone portable. Pour calculer le pourcentage, nous allons ramener le nombre d'élèves dans la classe à 100 et calculer les nombres d'élèves qui ont un téléphone portable pour 100 élèves dans cette classe. Pour cela, nous pouvons utiliser le produit en croix. Nous trouvons également 76. Il y a donc 76% d'élèves de cette classe qui ont un téléphone portable.